Eh bien bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode 26 sur Heart of Iron 4 avec notre ami le Benelux, la Fédération du Benelux qui a annexé les Indes néerlandaises parce que pourquoi pas? Et puis on doit avancer tout de même, hein. La vie elle continue, enfin du moins on essaye. Aujourd'hui on est en octobre 17 et il me semble que la fin de la partie va pas tarder. Je sais toujours pas où est-ce que c'est les sonars coincés là-dessus, hein, sur les sonars. Ça me donne envie de crever cette histoire. Aucune idée de ce que ça se trouve. Pas fait ça là, bon c'est pas grave. Ah, on peut aller qu'au sonar 2. Donc le sonar le plus élevé, c'est le deuxième. Oh, avec des sous-marins niveau 4, avec tout ce qui va avec, on va les détecter. Hein. Bon, c'est pas très grave. J'en saute de recherche libre? Ouais, tout à fait, tout à fait, tout à fait. On va commencer ça, même si jamais ça sera terminé. De toute façon, on s'en fout. Hop. Continuons la partie. Voyons voir. Vous allez me faire ça. Tu vas aller là-bas. Voilà. Le temps qu'ils se remettent en place. Pourquoi t'es en train de crever, toi? T'es où? Bon, crève, on s'en fout. Hop! Donc aujourd'hui, sur cet épisode auquel vous avez mis un pouce en l'air et vous êtes abonné à la chaîne, et bien sûr, laissez un petit commentaire parce que c'est rigolo. On va lancer quelques offensives en Chine. Des offensives qui vont permettre aux alliés d'avancer quand même un chouïa. Commençons. Donc avec mes tanks. Qui ne sont pas tous entraînés, mais bon, on s'en fout. Ils vont s'entraîner à fur et à mesure. Ah, ils ne sont pas encore placés. Bon, on va attendre encore. On va attendre qu'ils soient bien placés pour y aller. Ici, je suis pas ravitaillé. Oui. Pourquoi est-ce que je suis pas ravitaillé? Parce que l'ennemi, l'allié doit être trop ravitaillé. Là où du coup ça dégage. Non, tu attaques, t'arrêtes pas quand l'autre arrête d'attaquer, ça a pas de sens. Et puis lui tu me la dégages, mais alors jusqu'au bout quoi. Voilà, et puis tu avances là-bas. Hop. Bon, toi tu vas attendre que tu sois, on va dire, à jour. Non, attaque les quatre. Au bout d'un moment, ils vont être trop fatigués pour se battre. Mais ce moment-là n'est pas encore arrivé. Vas-y, fais ça. Oui, faut. Ah merde, qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Alors, c'est compliqué hein, cette histoire. Donc toi tu vas attaquer ici et toi tu vas aller faire hop de l'autre côté. On va faire ça puis aller à main nue, hein, ce sera plus simple. Donc lui il attaque moins bien parce qu'évidemment il est moins performant. Alors, ils ont une grande force d'attaque, hein. Ça paraît pas. Hein. Ah oui d'accord, non c'est le général. Ok. C'est le général, vas-y, je suis promu dans tous les sens, quoi. Avec nos chars, on va avancer. Là, ils traversent la rivière, donc c'est normal que ça soit un chouïa plus long. Mais les Américains, ils avancent comme ils peuvent, mais ils avancent. Mon but, c'est de faire un encerclement, genre comme ça. Hein. Puis après, je suis là. Derrière. La Chine communiste. Oh. Bon, pourquoi pas. Ah! Ça va être bon. On va faire les moteurs ici pour aller chercher nos avions réaction. Alors, peut-être qu'on les utilisera jamais. Hein. Mais bon, de toute façon, on est là pour jouer, donc on joue. Voilà, donc il y en a un qui va aller là. Voilà, le problème, c'est que le ravitaillement.
On va aller jusqu'à donc ici. Je veux pas aller trop vite parce qu'après perdre des tanks là-dedans en Chine, il n'y a pas pire endroit. Enfin, il n'y a pas meilleur endroit pour en perdre en fait. Des tanks. Voilà. Nankin est repris. Et eux, ils vont faire paf. Et paf. Aller jusqu'à ici. J'y serai peut-être avant lui. Oui, j'y suis avant lui. Détail. La smoke, on pourrait la mettre, enfin la fumée. La fumée est une recherche intéressante. Ça, j'aurais jamais le temps d'en faire. D'ailleurs... j'ai plus de navires de surface. En haut, c'est terminé. Pas de navire de surface. Comme ça, c'est fait. Hein. On est sûr d'une chose, c'est qu'on n'a plus rien. Donc là, déjà, le ravitaillement, c'est en train de se faire. Va falloir que j'aille choper Shanghai. Après, là, il dit qu'il n'y a pas de ravitaillement. Il n'y a pas de ravitaillement pour moi. Parce qu'en vrai, la Chine, tout ça, n'a plus de ravitaillement. Parce que Nankin, c'est la capitale. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper ici, et puis je vais aller chercher ça là-bas. Et le but, ça va être de reprendre... Bon, le sud de la Chine, elle va pas être dur à reprendre, même par l'IA, donc on va probablement laisser l'IA faire. Parce que le japonais, il est submergé, en fait, il a trop de trucs à gérer, donc du coup, il n'y arrive pas. Il doit être partout, mais sauf qu'il peut pas être partout. Ah, j'ai quand même, j'ai mon mot à dire, hein. J'ai 4% pour pouvoir piquer peut-être un bateau. Peut-être pouvoir prendre un bateau. Ravitaillé, ça y est? Non. Pourquoi je suis ravitaillé? Non, je suis pas ravitaillé, oui, c'est ça. Mais avec Shanghai, ça sera plus... ça sera pas le même mot. Et voilà. Avec Shanghai, je suis ravitaillé. Après, faut attendre que ça soit repris. Toi, vu que t'es ravitaillé, tu vas aller faire ça. Hein. Voilà. On l'a dépassé en vitesse. Là, je vais attaquer la marine qu'elle a. À travers le fleuve conséquent qui fait 1 km de long, de large. Ça, je sais toujours pas quoi prendre. Peut-être un truc qu'il va falloir que je pense réellement à venir chercher. T'attaques là, toi. Puis vous allez faire la même chose, genre. Attaquer comme ça, là. Putain, mais il vient de là-bas. D'accord. Avoir un commandant non divisionnaire. Ok, si tu veux. Bon, ça on désengage, parce que c'est parce qu'on trouve pas les sous-marins. Faut qu'ils nous trouvent pas, plutôt. Ah, lui, il peut être... Hop, c'est pour ça qu'il me dit ça. Hop, écran de fumée. Comme ça, on le voit pas, il y a de la fumée partout, ça va être déglingax. Voilà. Voilà, c'est ce que je vous disais. Hein, l'un des plus gros problèmes qu'on va avoir avec la Chine, c'est que c'est pas ravitaillé. Donc du coup, ça va être déglingax un petit peu toute cette histoire. Mais en vrai... En vrai, ça passe. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un encerclement basique. Hein. Pour tuer du japonais. Là, on le submerge un peu. Hop là!
Ça a moyennement de sens tout ça. Tiens d'ailleurs, en parlant de sens, ouais, je sais pas si je vous l'ai dit, si c'est possible. Hein. Ben, je vais me répéter de toute façon. Je vous invite à, à aller voter sur, enfin plutôt à me dire dans les commentaires et ailleurs, quel pays vous souhaiteriez que je joue pour la prochaine game d'Achoui, ou voir même un autre jeu si vous voulez voir un autre jeu, mais à voir ce que vous allez dire. La app, on fait que de la micro-gestion, hein. C'est un peu l'enfer, on va dire. Mais c'est un mal nécessaire pour pouvoir tuer de l'ennemi. Ouais, on essaye de couler du japonais, hein, mais c'est pas si plus simple, hein. On va faire cette recherche, même si ça n'est pas d'une grande utilité. On va la faire quand même, ça va me permettre à mes alliés de prendre plus de pétrole. Voilà, oui. Donc là, le prochain. Ah, il est là le prochain ravitaillement. Ouais. On va dire que c'est assez colossal, hein. La coupe, elle descend la complaisance, comment ça se passe? Non, elle descend pas. Mais ça devrait descendre, ça, au bout d'un... Pas devoir foutre un espion. Oh, tu me diras, je pourrais rien. Petits espions, là, ils foutent rien. Les espions, ils foutent rien et puis ils ont rien d'autre à foutre. Voilà. On va bien voir si ça marche bien, cette histoire. Hop là! Un petit encerclement là-dedans, là, c'est toujours rigolo. Tuer du japonais toujours. Là, ça va être long. C'est une guerre qui en finira probablement jamais. Ok, ça dénonce, mais bon, je sais pas trop ce que ça dénonce, mais ça dénonce. Je sais pas si j'arriverai à temps. Ah si, j'arrivais à temps pour faire l'encerclement. Ça, c'est de la balle. Bon, ils arriveront à défendre. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre le rail. On va aller... On va les pousser comme ça, histoire d'avoir du ravitaillement, parce que c'est pas possible de pas en avoir. Le problème, c'est que sans ravitaillement, on n'avance pas, hein. C'est toute une logistique qu'il faut qu'ils avancent, quoi. Bon, ils me font toujours chier, là. Ils sont toujours enfermés, là. Détruisez-moi ça! Toi, qui es, toi, tu vas aller jusqu'au port, hein, parce que de toute façon, il pourra pas. S'il s'organise pas, il pourra jamais la. Il pourra jamais forcer réellement. Non, mais c'est bon, tu es les. Au secours! Non, mais. Je comprends pas ce jeu, pourquoi ils arrêtent les combats comme ça, c'est mal fait. Détonateur magnétique, vas-y, comme ça, on tuera plus de navires. Tue-moi ces trois-là! Ah, il peut pas. Bon, il va avancer jusqu'au port, lui. Bon. Toujours pas quoi prendre là-dedans. Bon, faut que je prenne un truc, hein. Allez, on va faire de l'étranglement de commerce, comme ça. Attaque de convoi, 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 un plein de convoi. Hop! Toi, tu cliques là, puis tu vas là.
Ah, ils y vont avec de la cavalerie, les Italiens. Une grosse défense, hein. Enfin, une grosse défense non ravitaillée. Mais c'est quoi cette troupe de dingue? Ah, d'accord. C'est en vrai que dalle. Bon. En plus, si je prends ça, ça va couper le ravitaillement. Japonais. Ouais, ils sont déjà à Moscou, les alliés. Ouais, non, vraiment, ils ont pas besoin. Ce truc, c'est honteux. Y a pas besoin, ils ont pas besoin de mon aide. Me serais pas battu contre l'URSS. C'est pas grave, hein. Là, ravitailler. Non, elle me fait chier cette musique là. Dégage. Bah là, faut attendre hein, tout simplement. Parce que le rail ne sera là que dans 2 jours. Et ça sera là que dans. Pas 2 jours du coup. Une journée. Un peu de temps qu'il faut. C'est le temps que les trains passent, tu vois. Je sais pas. Ça me gave cette histoire. Voilà. Et lui, pourquoi il est pas? Bah, il est connecté. Voilà, il est connecté. Ouais, voilà, ça c'est de la balle. Non! Je te coince. Pourquoi il a des bonus de dingue? Ah, il a l'opéra Switchigo. Ah, c'est pour ça qu'il a des bonus de dingue. Je vais soutenir la bataille ici. C'est pour ça qu'il avance bien. Enfin, c'est pour ça qu'il se défend bien. C'est à cause de cette opération. Je sais pas il y a combien de temps il est activé, parce que ça fait un moment qu'il a ce genre de bonus. On va dire colossaux. On importe toujours à l'Afrique du Sud. Ah merde. J'ai cliqué à côté. Parce que bon, y a pas vraiment nulle part où on pourrait faire tout ça. Bon. J'ai fait tout un tas de recherches, tout un tas de préparations pour la flotte. Et j'en aurais été incapable d'en faire une. Ok, là, il serait peut-être temps de viser... Voyons voir ce qu'on pourrait faire avec le croiseur. De la batterie lourde. Ça coûte cher, hein. On va mettre ça. Contrôle de tir 1. Oh, il y avait un contrôle de tir 1. Non. Radar, on va mettre du radar plus élevé. Ça. Ça coûte cher. La produire, c'est pas très grave en soi. Si je mets ça, ça va être de l'attaque lourde. Ah, je peux pas tout mettre. Ouais, bon, vas-y. De toute façon, à savoir réellement ce que je peux faire avec toutes ces conneries. On va mettre un peu d'anti-sous-marin histoire de s'amuser. Puis un autre contrôle de terre rapide qu'on va mettre comme ça. Ah! Pas assez de. Ok, bon, tant pis. Je vais pas save ça, ça a pas de sens. Voilà, bon, on a fait une poche, hein, c'est intéressant. Toujours avec son opération Ichigo. Alors, c'est où le prochain point de ravitaillement? C'est Jinan?
C'est gênant. Ouais, ils suivent les rails, hein, comme d'hab. Hein. Suivre les rails et puis peut-être aller jusqu'à Kinyo, là, comme ça fait un encerclement, comme ça, c'est pas mal. Après, il va falloir qu'on aille jusqu'à Tangin. Je pense que c'est. Ah, ça va être chiant de traverser le fleuve jaune, là. Après, on pourrait faire ça, hein. Ouais. Pour le traverser. Ce qui serait plus adéquat. Hop! Voilà. Ils ont pas engagé le combat, donc du coup ils se sont arrêtés au moment où les gens se sont arrêtés. Après, ils perdent très vite. Hop là! Et donc là, ça va aller vite. Et les unités vont pas, probablement pas réussir à suivre. Donc il va falloir que je prenne une unité de char et que je la fasse arrêter en plein milieu. Ouais, c'est pas mal ça. Bon, l'épisode a assez duré. On verra bien comment ça va se passer la prochaine fois. Ouais, je vous dis probablement une prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime, à laisser un petit commentaire parce que c'est sympathique. À aller dans l'onglet communauté pour rejoindre le Discord. Il se passe des choses, vous allez voir, c'est incroyable. Moins la semaine, mais beaucoup le week-end. C'est faux. Et puis, hop, ça, on va avancer. Et puis, on va avancer. Et puis, moi, je vous dis à une petite prochaine. Allez, ciao, ciao.